Combien de temps tu vas encore attendre? Hello, hello, transformation, je voudrais te parler d'un sujet qui me tient super à cœur, qui est le fait d'attendre, qui est le fait d'être emprisonné mentalement, qui est le fait d'être bloqué de l'intérieur, de ne pas aller vers les choses que tu sens devoir vraiment faire, de ne pas aller vers cet appel intérieur qui t'invite à voir plus grand, qui t'invite à faire plus. D'ailleurs, tu te sens peut-être même en décalage avec la société, tu t'es toujours senti en dehors des cases, en dehors des normes. Si ça te parle, moi ça me parle parce que c'est mon vécu, en fait, tout simplement de toujours se sentir, mais what? Mais pourquoi je suis un extraterrestre? Pourquoi je ne correspond pas aux cases? Pourquoi je me sens toujours à côté? Pourquoi je me sens toujours en décalage? Et pourquoi je sens que je suis voué à autre chose que faire les choses bien formatées, suivre les écoles, les cours, avoir un petit job normal et tout. Et pourquoi je ne me reconnais pas dans tout ça? Ça, c'est la première partie. Et deuxièmement, pourquoi je ne vais pas vers ça? Pourquoi je me bloque? Pourquoi j'ai un sentiment vraiment, que ce soit dans le ventre, dans la gorge, que je suis bloqué, que je n'avance pas? Parce que tu as des blocages intérieurs, parce que tu as des croyances à retravailler, parce que tu as un monde intérieur à retravailler. Que ce soit des blessures, des croyances ou des schémas limitants que tu as acquis dans le passé ou en fait en te construisant, et que c'est une construction, mais l'important c'est de savoir que tu n'es pas le seul à avoir ce problème-là, que plein d'autres gens ont eu ce problème, que je l'ai eu, que je l'ai traversé, que tu peux le transmuter, que tu peux le transformer, qu'il y a des solutions qui existent, et surtout que tu n'as pas en fait de clarté. Tu sais à peu près quel est ton appel intérieur, mais tu n'es pas au clair dessus, et du coup tu bloques, et tu continues à vivre une vie au jour le jour qui ne te correspond pas. Et tu sens qu'il y a un appel vers autre chose. Et tu sens que, en fait, tu es peut-être bloqué d'ailleurs par ça, tu te dis ouais, mais ça a l'air d'être une montagne, j'ai la grande vision, mais je ne sais pas par où commencer, du coup je ne commence pas. Le problème ici, c'est la clarté. C'est vraiment la clarté. Je te fais cette vidéo dans une énergie très haute, parce que je viens de finir d'ailleurs c'est juste après là, il y a eu 1 minute, je viens de raccrocher avec un coaché, que je coach en plus aussi sur sa partie entrepreneuriale, son projet entrepreneurial. Mais on coach aussi, et je coach beaucoup aussi, les esprits atypiques, les esprits introvertis, les gens cosmiques, mais qui n'arrivent pas justement à réaliser leur mission de vie, qui sont bloqués dans le matériel, ils sont bloqués ici dans leur mental limitant, à aller vers ça. Et si toi, t'es bloqué, c'est que tu dois prendre une décision. Parce que non, on ne gravit pas une montagne en un jour. Par contre, on peut prendre des décisions qui changent la vie. Et moi, je me rappelle, c'était en 2016, d'avoir pris une décision intérieure. Les décisions intérieures sont plus importantes que ce qu'on croit. J'étais mal dans ma peau, isolé, frustré, pas de copine. J'avais jamais eu de copine, j'avais jamais. Et pour moi, c'était important, tu vois. J'avais jamais couché avec une fille. Et attends, en 2016, du coup, j'avais déjà 21 ans. Non, je dis une bêtise. Le mec, il sait plus son âge. 2000, il y a 4 ans, voilà, j'avais déjà 23 ans. J'avais déjà 23 ans. Et c'était une douleur énorme. C'était cette douleur-là. J'avais une douleur énorme aussi de ne pas me réaliser. En fait, je sentais mon potentiel. Je sentais que je pouvais faire des choses plus grandes. Je sentais que j'étais intelligent dans certaines choses. Et pourtant, le reflet dans ma vie n'était pas là. Dans ma vie, j'avais pas du tout les résultats que je souhaitais avoir. J'avais pas du tout le niveau de vie que je voulais avoir. Et bref, je ne vivais pas en fait mon potentiel. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant. Et justement, un jour, j'ai fait cette décision intérieure qui a tout changé dans ma vie. Je me suis dit, stop. Mais vraiment, parce que j'étais déprimé, mal dans ma peau, j'étais en basse énergie, on va dire. Je cherche mes mots, parce que je veux utiliser les mots justes. Et je me rappelle, c'était comme si j'avais vu un panneau stop, stop dans ma tête, et je me suis dit, soit tu fais rien et tu vis une vie de merde, tu déprimes, limite tu te tues ou tu finis vraiment dans une vie de merde. Parce que c'était ce qui m'attendait. Parce qu'en plus de ça, forcément, vu que j'étais mal dans ma peau, enfin pas forcément, mais en tout cas moi je le traitais comme ça, je fuyais, je fumais du cannabis, je me repliais, je séchais, j'étais complètement isolé sur moi-même, j'étais beaucoup moins, j'avais presque plus de vie sociale, enfin bref, c'était la catastrophe. La catastrophe. Je me respectais pas, je faisais beaucoup de nourriture émotionnelle. Horrible. En tout cas, à ce moment-là, je vivais de manière horrible. Et je me suis dit ça. Soit tu fais ça, tu vas vers cette vie de merde. Soit tu te bats et tu fais tout ce que tu peux à partir de maintenant. Mais il n'y a que deux choix. Tu choisis aujourd'hui. Et je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, tu choisis aujourd'hui. Il y en a marre de remettre à demain. Parce que remettre à demain, en fait, c'est un mensonge, c'est un déni. Ça veut dire que tu vas jamais le faire et que tu fuis. Et je me suis dit ça. Je me suis dit, stop. Tu arrêtes de fuir. Mais vraiment, c'est fini la fuite. Soit tu avoues aujourd'hui que tu veux une vie de merde, parce que c'est ce que tu es en train de faire, c'est ce que j'étais en train de faire, et tu vas vers ta vie de merde en conscience, mais t'arrêtes de te dire que tu vas changer un jour.
tu décides aujourd'hui. Soit tu vas vers ta vie de rêve, soit tu vas vers ton plein potentiel, soit tu te bouges et tant que tu n'as pas ce que tu veux, tu n'arrêtes jamais. Et ce jour-là, j'avais tellement un feu intérieur de me dire non, c'est mort, je vais me réaliser, que j'ai pris la première option qui avait l'air quand même plus cool. Et j'ai fait cette décision intérieure de tout faire pour aller réaliser ce que je voulais faire. Et ça a tout changé. De une, parce qu'il n'y a plus de mensonge avec soi, on sait qu'on choisit maintenant. Donc c'est vraiment une décision intérieure. Et après, j'ai tout fait. J'ai vraiment tout fait. J'ai commencé, je pense qu'on a tout ce parcours-là. J'ai commencé par acheter des livres. Donc un d'ailleurs qui m'avait beaucoup marqué, je m'en rappelle, c'était Pouvoir illimité de Tony Robbins. J'ai commencé à prendre des livres, à regarder des vidéos de mentors virtuels. Mais ça, c'est que la première étape, parce que ça marche au début, quand il faut sortir du trou, il faut se créer une autre dynamique, voir comment les gens qui réussissent réfléchissent. Mais après, en fait, ça ne suffit pas, parce que c'est comme regarder un monologue. Ces gens-là, ils ne parlent pas à nous et à notre problème spécifique. Donc en fait, ça fait ça. Puis au bout d'un moment, tu commences à stagner, parce que bah, tu te dis, mais j'arrive pas à vraiment. Je commence à changer, mais maintenant, il me faudrait vraiment que je passe un cap. Et là, j'ai commencé à prendre des coachings, à prendre des thérapeutes, à prendre des gens qui pouvaient m'aider vraiment à travailler sur moi, à aller vraiment plus en profondeur. Et à gagner en quoi? Après cette décision intérieure, à gagner en clarté. Et une fois que tu as cette première décision intérieure, cette clarté, cette décision, et que tu vas prendre de l'aide à l'extérieur, tu te rends compte que tu n'es pas le seul à avoir des problèmes, qu'il y a plein de solutions qui existent déjà, ce serait con de ne pas aller les chercher chez des êtres humains, chez des livres, chez des coachs, chez des thérapeutes, bref, peu importe. Et là, tout a changé pour moi. Donc voilà, je voulais juste le partager en intuition parce que j'ai fini cette session et là, je devrais y retourner parce que j'en ai d'autres. J'espère que tout va bien pour toi en cette période de confinement et je voudrais juste te dire ça, si toi tu sens qu'il y a cette frustration là, ce fossé intérieur entre ce que tu veux vraiment, tes hautes aspirations et ce que tu vis, tu as besoin d'une décision intérieure. Non, tout ne va pas se faire en un jour, mais ta vie peut, oui, changer de trajectoire, oui, tu peux changer ta vie en une décision, parce qu'à partir du moment où tu prends une décision ferme, coulée dans le béton, tu vas faire plein de petits pas et au bout d'un moment tu y arriveras. Mais tant que cette décision n'est pas prise, tu vas divaguer. Et les gens là qui prennent des sessions avec moi, déjà, c'est mes clients de cœur, c'est des gens avec qui je résonne énormément. Et je les respecte. Comme moi, je me respecte quand je me prends encore tout le temps des coachings, je me fais encore tout le temps aider parce que je me respecte, parce que je m'aime, parce que je veux me donner le meilleur. Et ces gens-là, ils sont beaux. Malgré la souffrance, malgré le fait qu'ils ne soient pas encore où ils veulent être, ils ont cette volonté de se faire aider. Ils mettent du temps, de l'énergie, de l'argent. Et plus en fait du courage intérieur de changer, d'exposer ses problèmes, d'exposer sa personne, et je les respecte à fond. J'ai une grosse émotion en fait quand je vois ces gens-là qui se bougent pour leur vie rêvée, pour ces introvertis, pour ces solitaires, pour ces esprits atypiques, pour ces gens qui se sentent reliés à un grand tout, qui sentent qu'ils ont une mission en fait au-delà de tout ça, qu'ils ont un potentiel et qu'il faut aller le développer dans le monde, qu'il faut aller développer leur expression, j'allais dire leur expressivité, leurs émotions, leur créativité, ils veulent servir, ils veulent aider l'autre, ils veulent aider les gens à vivre une vie meilleure et ils veulent commencer par eux-mêmes. Bref, je vais arrêter de m'emporter. Prends cette décision intérieure. Aujourd'hui, est-ce que je continue? Il n'y a que deux options. Soit tu t'éloignes de ton but, de ton appel intérieur, soit tu t'en rapproches. Il n'y a pas de « je bloque, je verrai demain ». Quand je bloque, je vois demain, je m'éloigne. Mais il faut au moins se le dire, soit je m'en rapproche. Et à partir du moment où tu t'en rapproches, moi j'ai mis des années, et on n'est jamais arrivé, on n'arrive jamais dans notre vie, mais je vis mon rêve aujourd'hui. Alors que je ne vivais pas du tout mon rêve, j'étais pas à mon compte, j'étais pas indépendant, j'étais pas libre de créer ma vision et de l'imprimer sur Terre. Mais je savais que j'étais en chemin. Et ça a tout changé dans ma vie. Je me sentais tellement mieux dans ma peau. Alors qu'il y avait encore plein de choses, même les premiers temps, les premiers mois, les premières années qui n'allaient pas. Mais vu que je savais que j'étais en chemin, le soir quand je me couchais dans mon lit, je me sentais tellement bien. Et c'est tout ce que je te souhaite. C'est vraiment tout ce que je te souhaite. Et que ce soit avec moi ou pas d'ailleurs. Mais prends une décision intérieure avec toi déjà et va te faire aider, que ce soit dans des livres, que ce soit avec des coachs. Je te conseille au bout d'un moment les coachs parce que les livres et les vidéos, c'est bien au début, si tu es dans un premier processus. Donc va écouter mon podcast Transformation, va regarder mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, si tu résonnes avec moi. Va regarder les vidéos et les livres d'autres gens avec lesquels tu résonnes, qui apportent des solutions à des problèmes avec lesquels tu résonnes. Et c'est ça, c'est que je ne suis pas là. Tu vas te dire, il a un biais. Mais en fait, je n'ai pas un biais. Bien sûr que je suis coach et du coup, je vais te dire de te faire coacher. Mais je m'en fous que ce soit par moi. En fait, va te faire coacher. Moi, je te le dis parce qu'en plus d'être coach, pour moi, c'est plus qu'un métier, c'est une raison d'être. C'est vraiment une raison d'être, une mission, ce qui fait que je vais tout le temps, moi, me faire coacher. Si tu résonnes avec d'autres, va te faire aider par ces gens-là. Tu vas avoir des raccourcis. En fait, c'est ça, c'est un raccourci. Un humain qui travaille juste pour toi, qui veut te comprendre toi, qui veut comprendre tes problématiques et qui vient t'aider toi. Si tu résonnes avec moi et que moi, je résonne avec toi,
parce que je prends que les gens avec qui je raisonne. Je veux vraiment finir comme ça à la fin de mes sessions, tu vois, en mode waouh, ça pourrait être mes amis, mes clients. Je les respecte, je les aime, je les kiffe. Donc voilà, c'était la fin de mon message, je m'emporte. Prends cette décision intérieure. Rapproche-toi de ton rêve. Mets-toi en action maintenant. Prends cette petite décision et tu vas voir le feu intérieur, il va se rallumer. C'est tout ce que je te souhaite. Et si tu veux aller plus loin avec moi, d'ailleurs, je te rappelle que tu as tous les liens pour s'inscrire dans le lien de ma bio Instagram. Donc tu as le lien pour me suivre par email magique. Je t'en envoie un par jour, un email magique. Tu as le lien du podcast Transformation. Tu as le lien de ma chaîne YouTube, Magicien Moderne. Et si tu veux aller plus loin et passer la phase du contenu et que tu veux vraiment une aide personnalisée, j'offre un entretien offert téléphonique par téléphone. Donc ce n'est pas en vidéo. T'inquiète pas si tu as un peu de mal et que tu dis ouh, c'est chaud. Je suis un ancien hyper timide, je suis un introverti, je sais ce que c'est. Donc c'est mon job de te mettre à l'aise, t'inquiète pas. On verra ça ensemble et surtout, je pourrais t'apporter des solutions personnalisées. Je pourrais écouter tes problématiques, t'apporter des premières pistes, des premiers axes de transformation pour que voilà. Tu vois, la vie, c'est une ligne, et bah, hop, tu puisses commencer à changer de trajectoire de vie. Je t'offrirai une synthèse. Mais c'est que vraiment, si tu corresponds à ces profils-là, cosmiques, introvertis, engagés, et que vraiment tu es engagé et que tu sais que c'est un processus, si tu veux une recette magique ou un truc qui, hop, règle tous tes soucis, clairement, on va pas s'entendre et donc ça sert à rien. Mais si c'est pas le cas et que vraiment tu as une volonté, tu résonnes avec mon message et que tu sens que c'est le moment, va réserver cet entretien offert, on va créer de la magie tous les deux, on va commencer à changer ta trajectoire de vie. Je te laisse, super énergie à toi, et n'oublie pas, la magie n'est jamais finie.